bonsoir et bienvenue. Très heureux de vous accueillir pour cette rencontre avec Jean-Christophe Ruffin, qui va donc évoquer ce soir son tout dernier roman, Le Tour du Monde du Roi Zibeline, publié aux éditions Gallimard. Alors je regardais un petit peu votre parcours, Jean-Christophe Ruffin. Je constatais que votre premier roman, qui était donc L'Abyssin, était sorti en 97, donc tout juste 20 ans. Vous aviez eu le Goncourt du premier roman, et 4 ans plus tard, pour Rouge Brésil, vous aviez le prix Goncourt. Alors vous êtes médecin, vous avez longtemps été engagé à Médecins Sans Frontières, président d'Action contre la faim. Ensuite, membre de l'Académie française, je crois, depuis 2008. Vous m'arrêtez hein, si je fais des erreurs de date. Et vous êtes donc auteur d'un certain nombre de romans, notamment, donc, je l'ai dit, L'Abyssin, Rouge Brésil, Globalia, tout dernièrement Checkpoint. Et donc aujourd'hui, vous nous emmenez, on fait un grand voyage, j'ai envie de dire, au XVIIIe siècle. Plus précisément entre les années, on va dire, 1750-1780, voilà, en gros, hein, juste avant la Révolution française. Et on part sur les traces donc, d'un certain Maurice Auguste Beniowski, qui est donc un aventurier, explorateur, mais qui est devenu, eh bien, tu es devenu roi de Madagascar, il est devenu le fameux roi Zibeline. Je laisse au lecteur le soin de découvrir pourquoi on l'appelle, il s'est fait appeler comme ça, on ne va pas le déflorer. Alors, première question, j'ignorais tout de ce fameux Maurice Auguste Beniowski, que vous appelez dans le livre Auguste Beniowski, vous avez conservé son second prénom. C'est aussi l'histoire de son épouse, hein, Athanasie, c'est vraiment un récit à deux voix, avec aussi, vous aurez l'occasion de nous dire pourquoi vous avez choisi ça, mais un troisième personnage, il y en a d'autres évidemment, important, qui est Benjamin Franklin, puisque le roman s'ouvre finalement par une évocation de Benjamin Franklin aux États-Unis, puisque donc Maurice Auguste Beniowski et donc Athanasie sont venus rencontrer Benjamin Franklin et vont finalement raconter à Benjamin Franklin leur épopée. C'est un peu ça en fait finalement. Alors pourquoi vous êtes d'abord, à quand remonte, si je puis dire, votre rencontre au sens avec donc Auguste Beniowski, et pourquoi avoir choisi de l'évoquer dans ce roman? Merci beaucoup en tout cas, Jean-Christophe Ruffin, d'être avec nous. D'abord, bonsoir à tous et merci d'être venu à cette rencontre. J'espère que c'est pas seulement pour la climatisation, mais que, en tout cas, on va s'efforcer de chauffer la salle, mais pas trop. Et alors, en fait, ce personnage de Beniowski, vous n'êtes pas le seul à l'avoir oublié. Aucun Français ne le connaît plus, pratiquement. Enfin, ne le connaissait plus. Peut-être que maintenant, à la faveur de ce livre, il prend une nouvelle actualité. Mais il a été oublié. Il a été oublié et il était pourtant, au XVIIIe siècle, extraordinairement célèbre. C'était même le prototype de l'aventurier à cette époque-là. Si on avait posé la question à quelqu'un à la fin du XVIIIe siècle, de donner le nom d'un aventurier, il est probable que celui d'Auguste serait venu en premier. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Parce que il a été, au fond, tué deux fois par les Français. Il a été tué en vérité et physiquement. C'est la fin de son histoire et de son aventure. Mais il a été tué aussi dans les mémoires par les historiens du XIXe siècle qui se sont attachés à le discréditer et à en faire un sorte d'affabulateur, d'escroc, etc. Et donc, n'étant plus tellement intéressant, il a disparu. Moi, c'est par hasard que je l'ai rencontré, enfin, si je puis dire. C'était en Pologne, à Cracovie, il y a de ça plus de 15 ans, en fait. J'étais allé présenter la traduction d'un livre en polonais, je crois que c'était mon premier roman, d'ailleurs, L'Abyssin. Et à Cracovie, dans cette ville étonnante où il y a toujours le souvenir de cette attaque, vous savez, il y a sur la grande place de Cracovie, il y a une sorte de beffroi sur lequel les heures sont marquées par un son, par quelqu'un qui sonne la trompette et qui est interrompu au milieu de sa phrase pour commémorer le moment où un cavalier mongol avait percé d'une flèche le héros qui faisait qui sonnait. C'est très émouvant, c'est un endroit très fort et c'est curieux parce que pour moi le souvenir de cette rencontre avec le souvenir d'Auguste s'associe dans ma mémoire à cette place de Cracovie sur laquelle effectivement il y avait eu, je crois, une réception et des éditeurs franco-polonais, Vera Michelski et son mari venaient de publier les mémoires de Beniowski. Donc ils m'en ont parlé, je les ai lus à mon retour, et
elles sont publiées, d'ailleurs, ces mémoires, aujourd'hui, chez Phébus. À l'époque, c'était chez Noir sur Blanc. Enfin, c'est la même maison. Et j'ai été saisi par cette histoire. J'ai trouvé... vous savez, c'est curieux, parce que pourtant, Dieu sait qu'on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup d'histoires et tout ça. Pourquoi celle-là, particulièrement, m'a interpellé, j'en sais rien. Mais, pour autant, je ne savais pas quoi en faire. Je sentais bien qu'il fallait qu'on lui vienne en aide, à ce pauvre Auguste. J'aime bien défendre des gens qui ont été calomniés. Je l'ai fait, par exemple, l'Abyssin, c'est la même histoire. Hein. Le héros de l'Abyssin, Jean-Baptiste Poncet, il a été, dans la vraie histoire, si je puis dire, il a été vraiment, lui aussi, très, très critiqué, très calomnié, ridiculisé et tout. J'aime bien prendre leur défense. Je trouve que c'est une bonne motivation pour un écrivain. Il faut être un peu en colère. Et là... a envie de le défendre. Bon, mais en même temps, comment raconter son histoire sans paraphraser des mémoires qui sont vraiment très complètes et qui sont pas raconter la même chose, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ça a tourné comme ça dans ma tête. Et puis un jour, je me suis dit le meilleur moyen de raconter cette histoire, c'est de commencer par la fin, c'est-à-dire de raconter le dernier voyage. Et de lui faire raconter, non pas à lui, mais aux deux. Parce que il y a dans la tradition du XVIIIe siècle, cette tradition de la conversation, qu'on prétend même ici en France avoir inventée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, Monazouf insiste beaucoup sur le rôle, effectivement, de la France dans cette culture de la conversation, cette culture de la parole entremêlée des hommes et des femmes. C'est aussi le siècle des romans par lettres, et je voulais donner ce parfum, finalement. Voilà. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette méthode narrative, c'est-à-dire commencer par la fin et les faire parler tous les deux, et ben c'était facile. Et le personnage de Benjamin Franklin, il est arrivé quand, alors, le personnage? Parce qu'il est important quand même dans l'histoire, justement. Il recueille la parole, il est très ouvert, il est, sans raconter, mais au début, il accueille ce couple qui vient de France. Alors, il est un peu énervé parce qu'il est très souvent sollicité, évidemment, par des rendez-vous. Et là, finalement, il va être captivé par cette histoire. Donc, et je trouve qu'il est important, ce personnage. Benjamin Franklin, ce qui est amusant, c'est que, en fait, là, j'ai commis... dans le livre, qui pourtant suit assez fidèlement l'histoire, pratiquement pour tout. Mais là, j'ai commis un léger glissement, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré Benjamin Franklin à Paris. Ils l'ont connu à Paris, ça c'est tout à fait certain. Quand ils sont allés aux États-Unis, ils ont rencontré George Washington. Et ça aussi, c'est tout à fait documenté. Ils ont rencontré Washington et Benioffsky est allé lui proposer ses services et lui demander son aide. Donc on a des témoignages précis, puisque Washington était un homme, était un chef d'État en quelque sorte, donc il avait un secrétariat qui prenait le verbatim de toutes les audiences qu'il donnait. Donc ça, on l'a. Et finalement, j'aurais pu choisir de le faire parler à Washington. Sauf que les chefs d'État sont des gens occupés. Enfin, paraît-il, c'est pas toujours, mais enfin. Mais bon, en tout cas... on imagine mal qu'un chef d'État, si vous voulez, puisse des jours et des jours durant écouter un long récit comme ça et n'avoir que ça à faire. Tandis que Benjamin Franklin, son histoire est tout autre, puisqu'après avoir joué un rôle éminent dans l'indépendance américaine, avoir été un des rédacteurs de la Déclaration d'indépendance, considéré donc comme le père de la nation américaine, et son représentant officieux, mais enfin quand même très installé en France, quand il est rentré au pays, quand il est rentré aux États-Unis, à Philadelphie, il a été finalement, non pas mal reçu, mais en tout cas, il n'a pas eu le destin qu'il imaginait mériter. Il n'est pas devenu le chef de cette nouvelle nation. Il a même été un petit peu oublié, à vrai dire, un peu confiné à Philadelphie. Et il s'est un peu aigri. En plus, il n'était pas en très bonne santé. Il avait même mal partout, à vrai dire, et c'est vrai qu'on le transportait sur son fauteuil. Il y avait deux gars qui se soulevaient comme ça. Bon. Et puis, vous savez, souvent, c'est des détails qui vous font dans la vie exploser. Et parmi toutes les injustices qu'il a subies, il y en a une qu'il n'a vraiment pas supportée, c'est que lui qui avait créé la poste, le système de poste américaine, on l'a obligé à payer ses timbres. Alors ça il n'a pas supporté. Et il était vraiment furieux, quoi, contre le... Voilà, contre. Et donc,
J'imaginais que c'était l'interlocuteur idéal pour deux personnages comme Auguste et Afanasy, qui avaient quelque chose en plus à demander. C'est que lui, il allait les écouter, et qu'il les écouterait d'autant plus que à Philadelphie, un peu abandonné de tous, il avait gardé un souvenir extrêmement fort et très agréable de sa vie à Paris, où on lui avait prêté beaucoup d'aventures et en tout cas un grand succès mondain. Donc, voir arriver ces deux personnages qui sont quand même jeunes, qui ont... elle est une très jolie femme, ils ont traversé le monde entier, ils ont des tas de choses à raconter. Évidemment, pour lui, c'est un bonheur. Surtout quand, à la fin, on lui demande quelque chose, on lui demande de faire quelque chose, d'avoir encore une action, d'avoir encore un poids, c'est merveilleux. Et donc, ça donne tout de suite, évidemment, à un récit, cette tonalité de conte qui est, là encore, propre au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que le XVIIIe siècle a adoré ces... oui, les contes un peu même contes philosophiques, enfin orientaux, même moi je pense aux Mille et une nuits, enfin référence ça, aussi Scheherazade. Enfin. Oui, ou les Lettres persanes, ou les. C'est-à-dire que, en effet, ils ont un petit côté Scheherazade parce que tous les jours ils racontent une partie de leur histoire. Et il y a une autre chose que je trouve plus, enfin que je trouvais pertinente par rapport au sujet et à l'époque, c'est cette idée. Là encore, très enraciné dans cette période, de faire apparaître une vérité, si tant est qu'elle existe, en tout cas, de faire construire un récit par deux voies différentes qui, effectivement, se contredisent, se complètent. Et ça aussi, c'est très 18e siècle. Et ça contrecarre un petit peu le caractère un peu unilatéral des mémoires, parce que les mémoires de Beniowski, c'est un peu sa vérité. Et parfois, d'ailleurs, disons que les historiens ont montré que ce qu'il avait raconté était vrai. Mais il se donne souvent un rôle qui n'est pas... Enfin, disons que voilà, ça mériterait parfois d'être tempéré. Donc là, le fait d'avoir les deux voix, c'était mieux. Quand vous aviez donc ces deux voix, le personnage de Benjamin Franklin, vous aviez déjà une idée plus précise du coup du plan global du livre, en fait. Enfin, de la manière dont vous alliez l'organiser. Oui, ben moi en fait, je travaille pas beaucoup. Je travaille pas souvent. Oui, non, parce que j'entends souvent des écrivains qui me disent, à chaque fois, ça me donne un coup de blues terrible, qui me disent, je travaille tous les jours, de telle heure à telle heure, je me mets à mon bureau, machin. Moi, je suis incapable de faire ça, vraiment incapable de faire ça. Donc, je travaille 2 mois à peu près par an, c'est-à-dire et le reste du temps. Mais quand je m'y mets quoi. Intensément, quoi. Oui. C'est-à-dire que, voilà. Mais le reste du temps, j'y pense. C'est-à-dire que, tu sais pas, le petit côté, je ramasse des petits morceaux, je fais des plans, beaucoup de plans. J'aime bien faire des plans. Je trouve que le Rubik Cube d'un livre, c'est très important. Et en fait, je pense que pour que le lecteur entre dans les livres, soit pris par les livres, il y a une sorte de... Oui, il y a une mécanique, pour ne pas dire une technique du récit, qui est très, très importante. Je sais que les écrivains, d'habitude, n'aiment pas parler de ça. Les écrivains de littérature générale n'aiment pas parler de ça. Quand dans les couloirs de Gallimard, je croise quelqu'un qui publie dans la collection blanche, je lui demande comment tu travailles. En général, on me répond que tout ça vient... du ciel. Voilà, une espèce d'inspiration comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien discuter avec des écrivains de genre, des écrivains de polar, par exemple, des écrivains de science-fiction, des écrivains de romans historiques. Ces écrivains de genre, souvent, notamment les écrivains de polar, je trouve qu'ils sont très, très intéressants parce qu'ils aiment parler de technique. Les scénaristes aussi sont passionnants parce que les scénaristes, ils parlent de technique et ils apprennent leur technique et ils enseignent leur technique. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Il ne faut pas non plus rester bloqué là-dessus, mais... je trouve ça très, très intéressant d'échanger sur la manière de fabriquer un récit. Ça ne veut pas dire d'en faire une savonnette pour le produire à grande échelle, c'est pas ça. Mais il y a quand même, voilà, je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça et que, voilà, il y a des choses à échanger dans ce domaine-là. Et moi, je passe énormément de temps, en fait, sans que ça soit vraiment du travail. Je fais ça en faisant autre chose, mais à cette élaboration-là. Et quand c'est prêt, quand je vois ce que je veux faire, quand j'ai la mécanique du récit, quand j'ai un plan, pas forcément très détaillé, mais,
mais qui fonctionne. Alors à ce moment-là, je m'y mets et j'écris les livres très vite. Alors, vous l'avez un peu dit, donc évidemment, ce sont des personnages qui ont existé. Donc Auguste a publié ses mémoires. Donc, quelle est la part de, quand on s'empare comme ça de personnages réels, de faits aussi réels pour certains, quelle est la part, j'ai envie de dire, de réalité et la part de où le romancier peut-il mettre sa patte, notamment parce que j'imagine que vous êtes très très rigoureux par rapport aux événements, par rapport en gros, et vous essayez peut-être de mettre votre patte dans des aspects peut-être. Ou là où il y a plus de liberté, où l'imagination, j'ai envie de dire, du romancier peut donner libre cours. C'est compliqué ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'on touche des personnages historiques, il y a un certain nombre. Il y a un confort parce qu'on est guidé par leur vie et c'est d'une certaine manière, ils vous mâchent le travail. Mais en même temps, il y a aussi une contrainte. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de suivre les choses telles qu'elles se sont passées. En même temps, Marguerite Yourcenar, par exemple, disait un roman historique, un roman qui se situe dans le passé et qui n'est pas exact historiquement, c'est un bal costumé. C'est-à-dire, c'est du carton-pâte. Il faut quand même respecter les choses. On ne peut pas mettre en scène Marie-Antoinette puis lui faire sortir un revolver. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Il faut rester quand même dans quelque chose qui est une cohérence par rapport à ces personnages. Alors, il y a deux solutions, si vous voulez. Il y a ce qu'on pourrait appeler les troncs creux de l'histoire, c'est-à-dire il y a des personnages qui sont un peu comme ces bois flottants, vous savez, qu'on voit dans l'Amazonie ou ailleurs, c'est-à-dire, vu de l'extérieur, ils sont assez bien définis. On sait qu'ils ont vécu à telle époque, qu'ils ont fait telle chose, etc. Mais à l'intérieur, c'est creux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. On ne connaît pas leur enfance, on ne connaît pas leurs sentiments, on n'a pas... Moi, j'ai écrit un livre sur Jacques Coeur, comme ça, qui était... Jacques Coeur, c'était le prototype de ça. C'est-à-dire quelqu'un dont on sait beaucoup de choses, mais c'est un tronc creux. À l'intérieur, il faut tout mettre, parce qu'on n'a pas de portrait de lui, on ne sait pas vraiment quelle a été son enfance, on n'a pas de correspondance personnelle de lui, etc. Donc, tout est à mettre. Voilà. Et l'autre solution, c'est effectivement, qui d'ailleurs n'est pas contradictoire, mais c'est de rééquilibrer un peu... la vie des personnages. Je m'explique. Et ça, c'est la différence avec les biographes. Parce que j'ai une histoire comme ça que j'aime beaucoup, qui montre bien la différence entre un biographe et un romancier par rapport à un personnage qui existe. C'est l'histoire de Jean Monnet. Et qui est Jean Monnet, fondateur de l'Europe, etc. J'ai un de mes amis qui a écrit une biographie de Jean Monnet qui fait 1200 pages. Vous voyez ? 1200 pages. Et il m'en parlait souvent pendant qu'il le faisait, parce qu'on est très amis, etc. Donc il me parlait de Jean Monnet, et je n'arrivais pas à m'intéresser à Jean Monnet, au point, si vous voulez, de lire 1200 pages sur Jean Monnet. Je ne sais pas pourquoi. Personnage qui est très intéressant, mais qui suscite une sorte de... peut-être d'ennui, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, bref. Et alors, il me dit un jour, « Sais-tu comment s'est marié Jean Monnet ?» Je lui dis non. Alors, il me dit, Jean Monnet, un jour, arrive dans un dîner et il tombe sur plusieurs personnes qui étaient là, dont un jeune couple, avec une jeune femme et son mari italien, un aristocrate italien. Et il tombe amoureux de cette jeune mariée. Elle aussi, elle tombe amoureuse de Jean Monnet. Il l'enlève. Et il se cache du mari parce que l'Italien veut évidemment leur faire la peau. Donc, non mais rendez-vous compte, Jean Monnet, alors le père de l'Europe, où va-t-on? Et quand vous regardez en effet la biographie de Jean Monnet, vous vous rendez compte qu'il est parti à un moment donné en Chine. Il y a toute une partie de la vie de Jean Monnet qui se passe en Chine. Alors, dans les livres d'histoire, on vous dit qu'il est parti en Chine pour aider T.V. Sung, qui était le cousin de Chiang Kai-shek. Pas du tout. Il est parti pour ne pas se faire trucider par l'Italien. Et il s'est retrouvé en Chine avec sa femme, qui n'était pas sa femme, et qui ne pouvait pas être sa femme, parce que le divorce était interdit en Italie à cette époque-là, et il ne pouvait plus rentrer. Alors, quand on me raconte l'histoire, je commence à dresser l'oreille. Je dis, mais comment ça se termine? Alors, il me dit, ça ne se termine pas, ça se complique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va
appeler un de ses amis qui est Ludwig Reichmann. Ludwig Reichmann, c'est le fondateur de l'OMS. C'est un médecin. C'était un juif polonais qui s'était enfui, mais qui avait gardé de nombreuses... qui vivait en Angleterre, mais qui avait beaucoup d'amitié encore du côté, dans le bloc soviétique, et notamment Staline. Donc, il contacte Ludwig Reichmann, qui demande à Staline de recevoir Jean Monnet et sa femme à Moscou. Non, tout ça est authentique. Ils prennent la nationalité soviétique pendant 48 heures, donc ils peuvent divorcer et se marier. Ils rentrent, ils vécurent heureux, sans avoir beaucoup d'enfants. Alors là, quand il me raconte ça, je lui dis, mais c'est très simple, moi je vais faire un roman sur Jean Monnet. Et il fera 1200 pages, sauf qu'il y en aura 1100 sur son mariage et 100 sur la communauté du charbon et de l'acier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le romancier peut, j'allais dire, dans une vie, prendre certaines choses qui l'intéressent, et puis il y en a d'autres qui ne lui évoquent rien. Et donc, quand on reconstruit comme ça un travail de, j'allais dire, qui est aux frontières de la biographie, forcément, on pondère, j'allais dire, une existence, et il y a des choses sur lesquelles on est amené à insister plus que sur d'autres. On a l'air de s'éloigner de notre sujet, mais finalement, on n'en est pas si loin, parce que justement, dans votre roman, vous mettez aussi l'accent. Alors, c'est vrai que c'est un roman très riche, un roman d'aventure, c'est un roman aussi de formation, je dirais, c'est un roman aussi maritime, puisque beaucoup d'épisodes se passent à bord des bateaux. C'est aussi un précis, j'ai envie de dire, de philosophie politique. Hein. Il y a aussi cette dimension de philosophie, dimension des Lumières, on aura l'occasion d'y revenir sûrement. Mais c'est aussi un roman sur l'amour, sur la vie de couple aussi, puisque à travers le personnage, je l'ai dit, d'Auguste et d'Athanasie, il y a, c'est pas toujours évident dans les couples. Il y a de très beaux passages très intéressants où ils partent à Paris, et notamment sans bien sûr raconter le roman, mais il y a un côté initiation aussi pour la jeune femme. Donc ça, c'est des éléments que vous souhaitiez dès le départ, j'imagine, sur lesquels vous vouliez mettre l'accent. Et c'est vrai que c'est très intéressant aussi sur la séduction, sur la conversation, encore une fois, puisque Paris est au centre des salons de la conversation. C'est un élément important. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. C'est-à-dire que l'aspect féminin est très important parce que historiquement, et notamment dans ses mémoires, il y a un moment extrêmement important qui est la rencontre avec cette jeune femme, cette jeune fille qui s'appelle Athanasie, qui est encore très jeune, et qui est la fille du gouverneur à l'endroit donc, où il va être déporté. Il est donc capturé en faisant la guerre contre les Russes pour défendre les Polonais, la liberté de la Pologne. Il est capturé par les Russes, pas sur les détails, mais il se retrouve en Sibérie. Et en Sibérie, il ne se retrouve pas n'importe où, il se retrouve à l'extrémité de la Sibérie, c'est-à-dire au Kamtchatka. Et au Kamtchatka, il y a un gouverneur, qui n'est pas un personnage très considérable, mais enfin, sur place, évidemment, c'est quand même lui dont dépend la vie de tous ses prisonniers. Et il y a ce gouverneur qui a existé, tout ça sont des personnages historiques, il a une fille. Et là encore, conformément à l'histoire, tout ça a été parfaitement démontré par les historiens russes en particulier. Cette jeune femme tombe très amoureuse tout de suite. Il y a une sorte de coup de foudre de cet Auguste qui arrive là. Elle a vu pourtant passer pas mal de ses exilés. C'est assez étonnant, la Sibérie à cette époque-là. C'est étonnant parce que quand on voit le récit de leur déportation, ils vivent pratiquement comme des bêtes. C'est-à-dire qu'ils circulent en traîneau à chiens, traîneau à rennes, des bateaux en écorce de bouleau, ils mangent de la mousse, c'est effrayant. C'est-à-dire que, ils vivent pratiquement comme des bêtes. Pourtant, parmi les gens qu'on rencontre dans cette Sibérie, qui sont les exilés, les bannis, il y a des gens extrêmement cultivés, extrêmement raffinés. Vous avez des gens qui ont eu des positions élevées à la cour, qui ont parfois même fait partie de la famille impériale, ou qui ont été des militaires de haut rang, des gens très cultivés. Vous rencontrez là au milieu et qui vivent pourtant avec des peaux d'ours sur le dos. Quand ils arrivent c'est pas des goulags, mais enfin quand ils arrivent dans ces camps, ce sont pas vraiment des camps d'ailleurs, parce que on ne les enferme pas, parce que l'immensité autour d'eux suffit à les contenir. On leur donne d'ailleurs même de quoi se défendre et se nourrir. On leur donne des arcs, des flèches, des lances pour aller capturer des animaux et puis manger. On leur donne une canne à pêche, tout ça, il faut qu'ils se débrouillent. Donc ils sont livrés comme ça à eux-mêmes dans cette immensité. Et il y a là-dedans des personnages évidemment très différents les uns des autres. Mais
aucun ne va frapper autant Athanasie, cette jeune femme, que Auguste. Parce que cet Auguste, il a probablement une force qui n'est pas une force physique, ce n'est pas un colosse, il n'a rien d'exceptionnellement costaud, mais il y a en lui quelque chose d'extrêmement solaire, quoi. Il y a une force, il y a une énergie. C'est quelqu'un qui va immédiatement entraîner les autres. Il va entraîner tout le monde. Tous ces bagnards qui sont là, qui s'ennuient, qui n'ont qu'une envie, c'est de s'évader, mais qui ne font rien pour y arriver, etc. Il va les mobiliser. Il va leur dire, secouez-vous, on va y arriver, etc. Et il va se servir de tout, y compris de la séduction qu'il opère sur cette jeune femme. Car grâce à elle, il va pouvoir s'introduire dans l'entourage du gouverneur, il va pouvoir consulter des cartes. Il y en a très peu, des cartes, pour savoir comment ça se passe, où ils sont. Oui, sans, parce que le Pacifique Nord, à ce moment-là, est complètement ignoré. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on peut aller. Et donc, grâce à elle, finalement, va se créer, en effet, vont se créer les conditions pour une évasion. Bon. Ça, c'est une chose. Et ce personnage féminin, évidemment, est très, très important. Mais là aussi, il a fallu le retailler un petit peu, parce que non, mais. Mais si, parce que justement, c'est important, le parce que moi, je l'ai lu comme aussi un portrait de femme très indépendante, enfin pour l'époque, qui va jusqu'à, sans dévoiler le livre, mais qui va jusqu'à être habillée en homme sur les bateaux pendant l'expédition. Enfin bon, et puis quand elle est à Paris, quand même. Alors là aussi, on voit l'importance de Paris à l'époque pour les idées des Lumières. Vous parliez de conversation, elle va dans les salons, elle rencontre le baron d'Holbach, elle rencontre Diderot, parce que les personnages arrivent aussi et sont présents dans certaines scènes, des vrais. Et il y a un passage où vous écrivez voilà, où la vie des femmes est prise en compte dans les débats, dans les échanges, qui visiblement n'est pas le cas partout. Donc il y a quand même cette dimension, comment je vais dire ça, pas féministe avant la même, enfin, d'autonomie, d'indépendance, de vouloir mener un peu les choses à sa guise aussi, de savoir ce qu'elle veut. Elle va être aidée bon, par une certaine Julie aussi, une personne qu'elle rencontre à Paris, sans en dire plus. Donc c'est important ce personnage féminin, j'y insiste. Parce à force que... de ne pas en dire plus, vous avez tout raconté là. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que de toute façon, c'est pas un roman policier. Il n'y a pas une clé. Donc on peut raconter les choses. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a un parcours féminin, c'est-à-dire que c'est un parcours féminin qui traverse des univers extrêmement différents. C'est-à-dire qu'elle naît. Je parle du personnage là. Bon, le personnage historique, c'est un petit peu différent parce qu'il a fallu rabouter différentes choses. Mais en tout cas. Ce personnage tel qu'il est dans le roman, elle naît en Sibérie, hein, donc vraiment dans un endroit difficile, quoi, très éloigné de tout, etc. Elle va connaître, grâce à cette évasion à laquelle elle prend part, donc elle part sur ce bateau quand il s'évade, sans raconter tout, comme vous diriez. Je veux dire, ils s'évadent, ils sont 80 sur le bateau. Et elle vit dans la promiscuité de ces hommes. Il y a quelques femmes, enfin bon, c'est surtout des hommes et puis un peu de tout. C'est des trappeurs, des gens un peu sans foi ni loi qui sont là. Bon, ils sont dans une promiscuité incroyable. Ils manquent mourir à plusieurs reprises parce que quand ils partent, qu'ils quittent une île par exemple et qu'ils partent en haute mer, ils ne savent pas s'ils vont en trouver une autre. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'ils ne savent pas combien d'eau il leur faudra, combien de nourriture il leur faudra. C'est absolument inimaginable. D'ailleurs, c'est ce que je trouve peut-être le plus touchant, mais c'est ce qui m'a le plus. Je veux dire, c'est le charme, j'allais dire, de ce voyage. Et pour moi, d'écrire ce livre, c'était de me souvenir d'une époque que, finalement, beaucoup d'entre nous ont vécu quand même, qui était une époque où on pouvait être loin. Ce qui est une époque qui a disparu. Alors, moi, je n'ai pas vécu des époques aussi lointaines, ni dans des endroits aussi lointains. Mais j'ai le souvenir et, d'une certaine manière, la nostalgie de périodes. Je me souviens, à la fin des années 70, quand on était dans le Sahara, ou des choses comme ça, on était loin. Il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Si vous arrivez quelque chose, vous étiez... là, on l'aurait appris des semaines après, si vous voulez. Et il y avait cette impression qui a un peu disparu aujourd'hui. Je trouvais que c'est un peu un des conforts de notre époque, bien sûr. On peut toujours savoir à peu près où on est. On peut se situer sur des plans dans tous les sens, etc.
avec les satellites, avec les téléphones, avec tout ça. Et en même temps, on a perdu cette impression-là, cette impression d'éloignement, d'être loin. Et eux, ils l'ont à la puissance 10. C'est-à-dire qu'ils l'ont parce que, bien entendu, il n'y a aucune des commodités de notre époque à ce moment-là, bien sûr. Mais en plus de ça, par rapport à des régions de leur époque, qui étaient des régions qu'on connaissait, dans lesquelles il y avait des cartes, ils vont, en quittant la Sibérie, naviguer dans une mer qui est inconnue. Inconnue, c'est-à-dire qu'il y a avant eux deux, trois expéditions qui se sont déroulées par là. La principale étant celle de Bering, qui était un Danois qui travaillait, qui était au service des Russes, et qui a découvert le fameux détroit, qui est mort d'ailleurs pendant un de ses voyages et qui a été enterré sur l'île qui porte son nom, l'île Bering, qui est au niveau de l'extrême pointe de la Sibérie. Là. Mais mis à part quelques rapports comme ça de ces navigations, ils ne savent pas où ils sont. C'est un truc fascinant. Et il leur arrive des aventures qui ne sont pas des aventures, j'allais dire, de carton-pâte, qui sont les aventures d'une vie, de vie qu'ils ont livrée à l'océan, en étant en plus poursuivis, pourchassés, c'est-à-dire sans pouvoir bénéficier d'aucun secours. Et à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils ne savent pas sur quoi ils tombent. Et ça, je trouve ça absolument... pour moi, tout le charme de ce voyage, en tout cas de cette partie de ce leur voyage, est là. Quand, par exemple, ils décident de partir vers le nord en s'évadant, avec leur bateau, ils discutent entre eux. Alors, Auguste, il n'est pas d'accord, d'ailleurs, mais la majorité vote pour aller vers le nord. Ça peut paraître curieux. En fait, pourquoi ils veulent aller vers le nord? C'est parce qu'il y a parmi eux pas mal de chasseurs, de trappeurs, des gens qui ne s'intéressent qu'aux fourrures. Donc, en fait, ils pensent que par là, il y aura plus d'îles à fourrures et tout ça. Et puis, ils ont entendu dire qu'il y avait un passage, le fameux passage du nord-ouest. Et donc, ils quittent la Sibérie et ils naviguent vers le nord. C'est incroyable. Ils vont jusqu'au 60e parallèle. Et là, il fait tellement froid qu'ils sont obligés parfois de tirer au canon sur les icebergs. Il y a des icebergs, ils tirent avec les canons dessus pour les couper en deux, passer au milieu. Enfin, le gouvernail gèle. Enfin, et au bout d'un moment, Beniowski leur dit, écoutez les gars, c'est pas possible. Quoi. Là, c'est pas possible, on va geler tous, on va mourir, on va mourir. La mer est gelée autour d'eux. Et c'est là qu'ils décident finalement d'infléchir leur trajectoire et de descendre le long des côtes de l'Alaska, puis le long des Aléoutiennes, qu'on appelle les îles à fourrure, justement, dans lesquelles ils vont faire provision de ces peaux, de ziblines, de martres, de visons, etc., qu'ils trouvent là-bas, et dont ils vont remplir les bateaux et qui vont leur servir de monnaie d'échange. Mais je trouve que ça, moi, ça m'a plu, quoi. J'ai aimé faire ce voyage avec eux. Je trouve ça... C'est une poésie incroyable. Vous parlez de voyage de découverte. Est-ce que justement, est-ce que ce n'est pas une période justement de l'histoire où finalement la géographie change complètement, enfin, où on passe finalement au niveau de l'esprit d'une volonté d'explorer à une volonté de conquête, de domination. C'est vrai que est-ce que je vais vous interroger là-dessus. C'est une période importante. Ben ça, ils vont le découvrir en arrivant à Paris, parce que au terme de cette évasion et sans révéler quoi que ce soit. Ils vont arriver à Paris. Non, ils racontent. Et ils se rendent compte, d'abord, qu'on a du mal à les croire ailleurs, etc. Mais à Paris, bizarrement, en France en général, ils ne vont pas tout de suite à Paris, ils vont à Lorient d'abord, puis à Paris, puis ensuite dans d'autres endroits. Partout, ils sont reçus avec un enthousiasme extraordinaire. Au cours de leur premier séjour à Paris, on les reçoit partout. Pourquoi ? Parce que ça nous renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure à propos des philosophes. C'est-à-dire que les philosophes du XVIIIe siècle, en France en tout cas, n'ont pas apporté véritablement de grands systèmes nouveaux. On ne peut pas dire que ce soit... Bon, à part Newton et Hume, enfin, il n'y a pas... C'est les philosophes français, Voltaire, Rousseau, D'Holbach, Lambert, etc., ils ont apporté un concept fondamental quand même, qui est l'idée que pour parler du monde, il faut le connaître. C'est-à-dire que par opposition au rationalisme du XVIIe siècle, à Descartes, à Pascal, etc., qui étaient des penseurs dans leur chambre finalement, les philosophes du XVIIIe siècle en France vont ouvrir les fenêtres, vont dire, vous ne pouvez pas parler du monde sans le connaître. Il y a
tous ces débats sur le sensualisme, etc., le rôle des sens, de la connaissance. Et cette ouverture au monde, elle se fait à la fois tout près, c'est-à-dire il suffit aller voir le boulanger, aller voir le maréchal Ferrand, aller voir le menuisier, comment il travaille, c'est l'encyclopédie. Comment, qu'est-ce qu'on fait, comment on fabrique les choses. Ça, c'est la chose la plus immédiate. Mais ça veut dire aussi aller voir très loin, aller voir les Patagons, les Tahitiens, etc. Et donc, quand, à cette époque, les philosophes, et toute la société française d'ailleurs, a la chance de tomber sur des navigateurs, sur des explorateurs, sur des gens qui viennent de contrées lointaines, alors ils leur sautent dessus et ils leur font raconter leur histoire. Le livre le plus célèbre à cette époque-là, c'est Le Voyage de Bougainville. Et Beniowski, évidemment, c'est une aubaine, parce que ce qu'il raconte est proprement stupéfiant. Il a traversé des zones que personne ne connaît et dont on sent qu'elles recèlent effectivement des mystères qui sont des mystères fascinants. C'est-à-dire que le Japon, par exemple, on en a entendu parler. La Chine, on en a entendu parler par voie terrestre, Marco Polo, etc. Mais lui, il les a connus. Il y est allé, il a abordé sur ses côtes, il est entré, il a parlé à ces gens-là. Donc, il y a un succès extraordinaire. Et c'est vrai que quand il va revenir 10 ans plus tard, à peu près, quand il va, son deuxième voyage à Paris, l'esprit aura beaucoup changé. C'est-à-dire que là, quand il revient 10 ans plus tard, on n'est plus dans la curiosité, on est dans l'envie de conquête. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas comment vivent les Patagons. C'est est-ce que les Anglais sont déjà installés à tel endroit ? Est-ce que les Espagnols sont déjà venus ? Est-ce que les Hollandais font du commerce, etc. Et on voit qu'on entre déjà dans la pensée qui sera celle du 19e siècle, c'est-à-dire la pensée positive, hiérarchie des races, des civilisations, culture de la zone d'influence, conquête, etc. Donc, ils connaîtront les deux, en fait. Hein, mais dans un premier temps, ils connaîtront surtout, dans le premier voyage, ce bonheur du récit, tout simplement. On les fait parler et raconter, juste pour savoir ce qu'ils ont rencontré. Moi, quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, le roman, finalement, met en avant aussi l'idée que ces idées des Lumières sortaient des frontières, enfin, passaient les frontières, puisque personnage du précepteur dans le livre qui va finalement éduquer le jeune Auguste, va lui inculquer un peu ses idées des Lumières, va lui dire de s'ouvrir au monde justement, et lui dit à un moment donné, je crois, la providence n'existe pas, il appartient à l'homme de prendre en main son destin. Et donc je me doutais un peu, mais ça prouve bien que les idées arrivaient à franchir les frontières et peut-être à essaimer, on va dire, là on est en Europe centrale, hein, puisque c'est Hongrie, Pologne, c'est un élément important. Ah oui, et ça se faisait à travers la langue aussi, français. À travers le français. C'est le livre de Marc Fumaroli, Quand l'Europe parlait français, qui est vraiment un très grand, je veux dire, qui brasse justement toute cette époque. Enfin, et c'est vrai qu'il y a une influence du français et de la culture française dans l'ensemble de l'Europe à ce moment-là, qui est une influence d'ailleurs paradoxale, parce que c'est à la fois l'influence du français sur les cours d'Europe, y compris sur les despotes. Hein. C'est Diderot chez Catherine II, c'est Voltaire et Frédéric, c'est vraiment cette influence de la philosophie française sur les princes, hein, sur les puissants, mais c'est aussi l'influence des idées subversives qui formeront le terreau de la Révolution française. Mais on est avant la Révolution française à ce moment-là, hein, puisque Beniowski meurt en 86, donc on est avant. Mais il y a déjà cette influence. Et c'est une influence qui est très importante, en effet, pour Auguste, qui écrira ses mémoires en français. Les mémoires sont écrites en français. Probablement, elle a été retouchée, mais en tout cas, il le parlait, ça c'était absolument certain, et il avait été éduqué dans cette langue. Et Athanasie, sa compagne, c'est la même chose. Au fin fond de sa Sibérie, elle lisait la nouvelle Héloïse. Ça aussi, c'est un amant historique. Et ce qui m'a amusé, c'est de penser qu'au fond, ils aient pu découvrir, et c'est un des avantages de les faire parler à deux voix comme ça, qu'au fond, le même homme, en l'occurrence Rousseau, avait pu écrire Le Contrat social,
qui avait énormément influencé Auguste dans son enfance, enfin dans son éducation, et La Nouvelle Héloïse, qui était le roman préféré d'Aphanassy. Autrement dit, que voilà, cette influence française ne se faisait pas uniquement, comme le croyait Auguste, autour de la philosophie, des idées, etc., mais aussi autour de la sensibilité, autour de l'amour, autour des romans, etc. Toute chose qui n'était pas vraiment dans sa formation. Voilà. Donc, effectivement, il y a cette influence très, très forte de la France. Et bien évidemment, qu'on retrouve aussi en Amérique, puisque quand ils vont là-bas, c'est évidemment en faisant le lien avec Benjamin Franklin, dont on connaît les liens avec tous les courants de pensée, y compris de libre pensée d'ailleurs, en France et en Angleterre. Mais sur la phrase que vous avez mentionnée là, sur la Providence, oui. Bon, elle est directement tirée de Voltaire, cette question de la Providence, elle est très très importante pour moi, parce que moi je viens, ma formation c'est la médecine. Je me suis éloigné de la médecine, j'allais dire classique, pour travailler, pour construire un peu cet outil humanitaire français que dans les années, je donne plus de date parce que maintenant c'est au carbone 14 bientôt, mais enfin bref. Mais il y a longtemps, disons. Mais c'est vrai qu'à l'époque, si vous voulez, quand on a créé ces organisations, Médecins sans frontières et autres, c'était avec l'idée qu'au fond, il n'y avait pas... qu'on crée quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai fait partie de ceux, mes premiers livres, d'ailleurs, c'était ça, qui ont essayé de retisser un petit peu notre histoire actuelle, sur le moment, si vous voulez, avec une histoire passée. J'ai donc été amené à réfléchir et à travailler sur l'histoire de l'humanitaire. Et les premiers livres que j'ai écrits, moi, c'était ça. C'était un livre qui s'appelait Le piège humanitaire. Bon, après, j'ai fait une autre petite découverte sur l'histoire de l'humanitaire. Et c'est très intéressant de voir que cette question de la providence, elle est centrale et elle tourne, disons, elle trace une limite, une ligne de partage entre ce qu'on pourrait appeler la charité, la période très ancienne, mais depuis le Moyen-Âge, hein, la charité chrétienne, etc., et puis l'humanitaire moderne. Et il y a une date qui est très importante dans l'histoire des idées pour ça, c'est le tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Les tremblements de terre, il y en avait eu d'autres. Mais le tremblement de terre de Lisbonne, dont on voit toujours les traces, puisqu'il y a des églises encore qui en portent les stigmates à Lisbonne, ce tremblement de terre, il a été très important. D'abord, il a été ressenti un peu partout. Hein, mais surtout, il a provoqué une sorte d'indignation. Et Voltaire fait cheminer Candide dans les ruines de Lisbonne. Hein, il y a une scène de Candide dans laquelle Candide est dans les ruines de Lisbonne. Et il est là, devant cette église, enfin cette cathédrale qui s'est effondrée sur une foule de gens en prière, puisque ça se passait un dimanche, avec des femmes, des enfants qui étaient là pour faire leur prière, pour suivre la messe et qui ont pris les cathédrales sur la tête. Et Candide s'écrit, si c'est donc là le meilleur des mondes possible, que sont donc les autres? Autrement dit, une sorte de refus de pensée qu'il y a une providence bonne. Et beaucoup de choses vont se jouer sur cette question de la providence. C'est-à-dire que c'est un élément très, très important dans l'histoire des idées philosophiques. C'est cette idée qui va naître à ce moment-là qu'en effet, il faut prendre son destin en main, que l'humain, l'être humain doit prendre son destin en main dans toutes ses dimensions politiques, culturelles, tout ça, l'éducation, tout, y compris devant ce qui paraît le plus, la fatalité de la providence, c'est-à-dire la catastrophe, la maladie, le tremblement de terre, la guerre, des choses qui vous tombent littéralement sur la figure, même ça, il faut se révolter contre et il faut prendre son destin en main. Et finalement, la philanthropie, la création de l'idée philanthropique, on a créé même un mot pour éviter le mot charité, c'est-à-dire c'est une charité sans Dieu. Ce concept de philanthropie, c'est né de cette espèce de révolte contre l'idée de providence, contre la passivité face à la providence. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera
dans toute l'histoire de l'humanitaire, et y compris au XIXe siècle. Enfin bon, c'est une parenthèse fermée. Quoi. Est-ce que je demande même dans le titre du livre, je suis dit le tour du monde du roi Zibeline, est-ce qu'il n'y a pas finalement une référence directe à, je pense, à Zadig, avec une sorte de distance un peu, pas ironique, mais avec le tour du monde du roi Zibeline. Vous l'avez trouvé rapidement, le titre, vous l'avez, il est arrivé... Les titres, c'est des calvaires, les titres. Des calvaires, alors, à chaque fois. C'est-à-dire, soit vous trouvez le titre tout de suite, c'est, voilà, ça m'est arrivé pour certains livres, on trouve le titre tout de suite, pendant qu'on écrit, on se dit ça sera le titre. Soit, alors après, on est parti dans des trucs interminables, des listes et tout, et puis chacun donne son avis, enfin, c'est affreux. Non, ce que je voulais, c'était... Je voulais établir une sorte de lien entre, qui n'était pas facile à établir, entre les deux parties de la vie de ces personnages. Parce que finalement, il y a deux... Au fond, il y a plein d'histoires dans cette histoire, mais il y a deux grands blocs de récits. Il y a la Sibérie, et la Sibérie et l'évasion, les îles à fourrure et tout ça, et Madagascar, hein, où il va, en effet, être envoyé par le roi de France. Donc le froid, le chaud... Les îles à fourrure et les îles à oiseaux, à perroquets, etc. Bon, voilà. Enfin, il y a ces deux mondes. Et c'est ça qui fait le charme aussi, je trouve, de ces personnages, c'est qu'ils ont traversé ces deux mondes et qu'ils en ont gardé des traces de ces deux passages. Et donc, voilà, je ne voulais pas. Me séparer ni de l'un ni de l'autre. Quoi. Et puis, il y avait l'histoire de Tour du Monde. Bon, pourquoi ? C'est vrai qu'ils ont fait le Tour du Monde. C'est incroyable. Et il se trouve que, tout à fait par hasard, peu de temps après, j'ai fait une préface pour la réédition d'un manuscrit de Jules Verne, là, du Tour du Monde en 80 jours. Et c'est amusant parce que Tour du Monde en 80 jours, aujourd'hui, bon, par rapport à d'autres anticipations de Jules Verne, ça ne nous fait pas rêver, Tour du Monde en 80 jours. S'en fout, Thomas Pesquet, c'est en 2 heures qu'il fait le tour du monde. Je veux dire, c'est pas... Non, mais il y a une sorte d'accélération qui fait que, bon, tour du monde en 80 jours, oui. Mais si on compare avec le tour du monde fait un peu moins de 100 ans avant par eux, si vous voulez, là, on voit ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, on voit dans quel monde on est passé. Et on voit à quel point Jules Verne a, non pas anticipé, là, pour le coup, mais juste observé que le monde de son époque, déjà, c'est pas la Terre à la Lune, c'est là, devant lui, c'est déjà couvert de voies de chemin de fer, de bateaux à vapeur, etc., qui enserrent le monde déjà et qui permettent de le traverser, enfin de le parcourir en 80 jours. Alors, il faut quand même évoquer un petit peu Madagascar, mais c'est vrai que donc Augustin est un personnage assez paradoxal finalement, parce que quand il arrive à Madagascar, ce qu'il souhaite, on le voit, c'est un cheminement hein, bien sûr, mais c'est finalement, je résume, mais c'est en faire un pays souverain en fait, complètement. Donc là on est bien quand même, vous l'avez un peu esquissé tout à l'heure, sur cette opposition par rapport à un esprit de l'époque, on va vers la conquête, on va vers le... C'est vraiment un livre aussi qui touche à ces sujets, le colonialisme, l'indépendance. Il essaie de... Est-ce que vous n'avez pas voulu écrire aussi un livre qui serait plutôt sur le rapport à la culture différente, comment rencontrer une autre culture, et comment aller rencontrer une autre culture en étant finalement ouvert et en étant bienveillant, on va dire. Oui, bah c'est-à-dire que quand on... Enfin, moi, tous mes livres, la plupart de mes livres, en fait, portent là-dessus, c'est-à-dire c'est la rencontre des autres, la rencontre... la manière dont le monde s'est unifié autour de la présence très problématique hein, des Européens partout qui sont arrivés comme ça et qui ont noué ces relations bizarres finalement et qui finalement sont devenues assez violentes avec l'ensemble des peuples de la planète. Mais qui n'étaient pas forcément nécessairement violentes. Pas nécessairement. Quand on pense au XXe siècle, bien sûr, on trouve la violence. Quand on parle du XIXe siècle aussi, on trouve la violence. Mais quand on parle du XVIIIe siècle, c'est plus paradoxal. Bien sûr, il y a le commerce triangulaire, il y a l'esclavage, etc. Mais en même temps, il y a aussi des personnages comme Beniowski, c'est-à-dire cette espèce de curiosité, de rencontre, et des gens qui tracent une autre voie. Alors lui, c'est assez compliqué parce que tout ça, bon, on le raconte de façon abstraite, mais en fait, c'est très naturel quand on suit le personnage lui-même. Lui, il arrive à Versailles et il raconte son histoire. Voilà.
Et il livre au passage d'ailleurs des secrets militaires en fait au roi de France. Bon. Donc il faut le récompenser, il faut lui donner un petit quelque chose. Lui, ce qu'il veut, c'est aller, ce qu'il voudrait, c'est avoir une mission en Extrême-Orient. Parce que ça lui plairait d'aller ouvrir un comptoir à Formose, ça lui a bien plu, Formose. Il a bien aimé Formose, à la rigueur le Japon, enfin bon, par là, disons. Et ce qui lui plaît le plus, c'est l'idée de servir le roi de France. Il y a chez cet homme, comme chez beaucoup, peut-être tous, chacun d'entre nous, il y a deux tendances qui sont contradictoires, mais qui sont parallèles. C'est-à-dire que c'est un homme qui est passionnément épris de liberté, au point de s'évader de Sibérie, de traverser 1000 dangers, de se retrouver comme ça, de se libérer, quoi qu'il arrive, dans des conditions très difficiles. Donc il est passionné par sa liberté. Et en même temps, cette liberté, il va la mettre au pied, il va la déposer au pied du roi de France en demandant de le servir. C'est un peu paradoxal. Mais finalement, ces deux tendances, servir... La liberté et le bonheur de servir, finalement, peut-être que si on réfléchit bien, sont en chacun de nous. En tout cas, lui, il les a. Et il veut une mission. Voilà. Alors le roi de France ne va pas lui donner ce qu'il veut. Et parce que ce n'est pas un type à qui on a confiance, vous comprenez. D'abord, c'est un Hongrois, on ne sait pas trop d'où il sort, machin. Il s'est évadé. Même si c'est évadé d'un goulag, c'est pas grave, mais c'est pas bien, c'est pas un bon exemple. Il raconte plein d'histoires, mais bon, on sait pas trop. On sait pas trop pour qui il roule, on sait pas trop qui il connaît. Donc, les Français n'ont pas tellement envie de lui confier une mission très stratégique. Et ils ont envie d'ouvrir des comptoirs pourtant vers l'Est. Ils vont envoyer plutôt la Pérouse, ils vont envoyer des gens sérieux. Et lui, ils vont lui confier cette histoire un peu bizarre et un peu pourri, qui est d'aller ouvrir un comptoir à Madagascar. Quand je dis un peu pourri, pourquoi ? Parce que ça ne s'est jamais bien passé avec Madagascar. Il y avait un point à Fort Dauphin où les navires faisaient relâche, les navires français faisaient relâche, pas seulement français d'ailleurs, mais de temps en temps, il était repris parmi les malgaches, enfin c'était instable. Et finalement, cette île, Madagascar, très riche pourtant, personne ne voulait y toucher. On avait deux petites îles en face, l'île Bourbon, l'île de France, l'île Maurice et la Réunion, à partir desquelles on faisait du commerce, on allait acheter des esclaves à Madagascar, on allait acheter des bœufs, on achetait du riz, etc. Mais on ne touchait pas, on ne cherchait pas à conquérir cet endroit. Beniowski, on lui dit, tu vas aller ouvrir un comptoir là-bas. Il y va. Et puis, c'est peut-être parce qu'il est, c'est peut-être un slave, j'en sais rien, hein. Là, il y a ce mot de Madame de Staël qui dit des Russes, qui dit les Russes n'atteignent jamais leur but parce qu'ils le dépassent toujours. Et c'est vrai que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il va en faire trop, en d'autres termes. Il va en faire trop. Il va essayer de conquérir ce personne ne lui a demandé. Hein. On lui a demandé de créer un comptoir. Mais lui, il va essayer de conquérir toute l'île. Alors évidemment, ça va mal se passer. Les gouverneurs sur place, là, à l'île de France, ils voient arriver ce type. Zozo, bizarre. Normal, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il va. Donc, ils vont lui couper les vivres. Et il va se retrouver à Madagascar, sur la côte, dans le fond de la baie, là, sur la côte est, hein, le fond de la baie d'Antongil, là, marronne sec à l'heure actuelle. Et là, il va évidemment être très mal reçu. Les Malgaches n'ont pas du tout envie qu'il s'installe là. Alors, vous vous rendez compte, ces gens, ce qu'ils ont vécu, ils venaient de se taper quand même. Une évasion depuis le Kamtchatka, où déjà il avait fallu qu'il aille en bouffant les chiens pratiquement. Il s'évade, il traverse des zones où il fait mourir. Ils repartent avec leur bateau à voile pour aller conquérir un pays que personne ne connaît et dont personne ne veut en plus. C'est absolument hallucinant. Mais, et c'est là où ça devient très intéressant, ce personnage est très intéressant, à cause de ça, il va en faire trop, d'accord, mais à un moment donné, il va aussi réfléchir et se retourner contre ceux qui l'ont envoyé. C'est-à-dire que, bien sûr, il va devenir roi, on ne va pas vous raconter tout, hein, déjà tout raconté dans tous les sens, mais bon, c'est pas grave. Mais ça n'a pas d'importance, parce que c'est pas de là que vient l'intérêt de l'histoire, peu importe. En tout cas,
que je veux retenir, si vous voulez, c'est juste que à un moment donné, il s'est dit, voilà, au fond, il va pivoter. Au lieu de, d'être là pour conquérir, il va se mettre du côté de ses peuples et il va les fédérer contre les Français. Et c'est pour ça qu'il existe toujours à Madagascar. C'est pour ça qu'il y a toujours des, noms, des rues qui portent son nom à Madagascar. Parce que c'est, en quelque sorte, le premier. Alors après, il y en aura bien d'autres. Il y a les empereurs malgaches. Enfin, il y a tout, Dieu sait que cette île est riche d'une histoire très, très longue et très, très passionnante. Mais lui, finalement, qui pourtant ne vient pas de là, va contribuer, modestement et pas pour longtemps, mais il va contribuer à unifier cette île contre ceux qui veulent la conquérir, ceux qui veulent la soumettre. Et c'est ça qui en fait tout l'intérêt. Et c'est pour ça que c'est absolument bouleversant de penser que, n'ayant pas réussi à faire ça, il est allé voir les Américains pour obtenir finalement les moyens de donner à cette île, dont il était tombé amoureux, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les moyens de son indépendance. Et il fait signer, quand vous lisez les mémoires, vous avez en annexe une constitution qu'il a fait signer aux chefs de l'île, pas tous, bien entendu, lui prétend que c'est tous les chefs, c'est pas tous les chefs, c'est pour les peuples côtiers, plutôt à l'est, mais enfin quand même beaucoup de tribus, il leur fait signer une constitution sur le modèle de la constitution américaine. C'est étonnant quand même. Et tout ça au XVIIIe siècle. Et je trouve qu'aujourd'hui, de même qu'on fait relire aux enfants le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, qui est au programme, qui est lu partout, etc., je trouve que c'est intéressant de voir des gens qui ont pratiquement mis ça en pratique. Quoi. C'est pas, non seulement ils ont pensé comme ça, mais ils ont essayé de créer une autre forme de relation avec ces pays. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin. On va vous passer la parole, puisque vous dites des questions, des remarques, des réflexions pour Jean-Christophe Ruffin. Il y a peut-être un micro qui est aussi. Non, on vous passe. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle ou si. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Oui, ça marche. Entre le moment où il quitte la Chine et où ils arrivent à l'Orient, il y a un grand blanc là. Il leur arrive rien là. Il y a pas d'aventure. Il y a rien là dans le livre. Non, mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont vendu leur bateau à Macao. Et donc ils sont montés sur un bateau régulier. Oui. Et donc sur ce bateau régulier, voilà. Donc là, ils l'ont fait en combien de temps ça, ce restant du voyage? Je crois qu'il leur faut entre 4 et 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Ils font relâche à Fort Dauphin quand même. C'est le seul contact qu'il avait à Madagascar. Donc il a frôlé Madagascar déjà. Ils ont fait un mouillage à Fort Dauphin et il a connu. C'est tenté qu'on puisse connaître au cours d'un mouillage. Ils ont été faire de l'eau à Fort Dauphin, c'est tout. Voilà. Mais il ne s'est rien passé de notable. Même dans ses mémoires, il n'y a rien sur cette traversée. Ah oui, d'accord. Ça vous a manqué, visiblement. Ben oui. Et puis, le fait qu'il soit si solaire et tout aux yeux d'Afanasy, là, il faut quand même bien dire que c'est grâce à son précepteur. C'est lui qui lui a tout appris, quoi. Voilà, l'aura qu'il avait après et tout. Oui, mais enfin, il en a fait quelque chose. Et puis c'est un mélange, si vous voulez. Ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est que c'est à la fois un mélange. Alors vous me direz que c'est une projection peut-être personnelle, mais enfin, à la fois physique et intellectuelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois capable, si vous voulez, d'aller pêcher, chasser, vivre dans, commander un bateau, etc. Et en même temps. Un homme de réflexion. Voilà. J'aime bien des personnages qui ont ces deux aspects. Monsieur. Bonsoir. Moi, j'ai pas encore de questions sur le livre parce que je l'ai pas encore lu. Mais j'avais des questions sur vous. Et donc, je voulais savoir si vous aviez prévu d'écrire un jour une biographie de votre vie, parce que je trouve que jusqu'à maintenant, vous avez une vie quand même qui était assez passionnante. Et si vous prévoyez d'écrire une biographie. Une autobiographie, vous voulez dire Non, une autobiographie, oui. Une autobiographie, pas un roman, une autobiographie. Première question. Et deuxième question, d'après ce que vous avez vu dans les pays étrangers, dans votre jeunesse en particulier, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir pour notre futur ici, pour l'avenir de la France, ou est-ce que vous êtes un peu pessimiste?
Merci. Moi, j'ai écrit un petit livre dont je ne me suis pas beaucoup occupé parce qu'à l'époque, je vivais pas, enfin, j'étais au Sénégal à ce moment-là, qui s'appelait Un léopard sur le garrot, qui est l'histoire qui est une autobiographie, mais à travers un fil conducteur qui est la médecine. Parce que j'ai raconté le rôle que la médecine avait joué dans mon enfance, parce que mon grand-père m'a élevé, était médecin, comment moi, j'ai fait ses études, comment je suis entré dans l'humanitaire, comment la médecine continue de donner un regard particulier sur le monde, et peut-être aussi, du point de vue littéraire, m'influencer, tout ça. Donc j'ai fait comme ça. Mais je pense que les biographies, il faut les faire soit comme ça, à partir de centrer sur un point particulier, soit à la fin de sa vie. Donc j'attends un petit peu. Je suis en train de lire celle de John Le Carré, par exemple, qui est un auteur que j'aime énormément, dont j'ai pratiquement tout lu, que j'ai eu le bonheur aussi de connaître un peu, et qui a publié l'an dernier Le Tunnel aux Pigeons, là, son autobiographie. Et en le lisant, je suis absolument convaincu qu'il y a des choses qu'on ne peut écrire et qu'on ne doit écrire que très tard. Alors, bon, je viens d'entrer dans le Petit Larousse, mais quand même, ce n'est pas une raison pour... Et quant à l'optimisme, si vous voulez, je pense que l'optimisme ou le pessimisme ne dépend pas des événements, il dépend de soi. C'est-à-dire que c'est quelque chose... Les empereurs romains avaient ce titre qu'ils se donnaient, Félix, hein, c'était un titre impérial. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en soi. C'est-à-dire que les événements autour de vous peuvent être extrêmement difficiles, tragiques. L'optimisme, il faut le garder. Ça, c'est des personnages, par exemple, comme je les aime, c'est-à-dire qui traversent des situations extrêmement difficiles, mais vraiment dans lesquelles leur vie est en danger, dans lesquelles le monde a l'air de s'effondrer aussi, parce que certains endroits où ils sont, vraiment, c'est la guerre, c'est vraiment la... Et pourtant, ils le traversent avec cette espèce de force. Et je crois que moi, je m'efforce d'être comme ça, ce qui ne veut pas dire d'être béat, d'être niais, si vous voulez, mais ça veut dire que l'optimisme... Bon, quand, de toute façon, si vous voulez, en choisissant, par exemple, la médecine, en choisissant ce métier de médecin, vous êtes forcé, je pense, en tout cas, moi, je l'ai conçu comme ça, de prendre cette attitude dans la vie. C'est-à-dire que vous avez en face de vous en permanence la souffrance, la mort, une certaine forme d'injustice de la vie, si vous voulez. Si face à ça, vous êtes en plus pessimiste, alors là, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et on peut transposer ça à l'humanitaire, à tout ce qui... Donc, voilà. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai décidé d'écrire des romans, c'est-à-dire ça fait maintenant 20 ans, comme vous l'avez aimablement souligné. Mais j'ai décidé que les personnages... Bon, il y a quelques exceptions près, parce qu'il y a quelques livres un peu sombres, mais dans l'ensemble... Les personnages que j'ai choisis, moi, sont toujours des personnages qui ont cette énergie, cette force, et qui m'entraînent et qui m'aident à vivre. Et je me suis rendu compte que, bon, dans un certain nombre de cas, en tout cas, ça pouvait se transmettre aussi au lecteur. C'est pas forcément très à la mode, mais voilà, moi, je fais une littérature optimiste et je suis, malgré tout, très optimiste. Oui, oui, une question. Si le... on va rester dans le coin, on revient vers vous après. Oui. Bonsoir. Et moi, en fait, j'ai deux questions. Et, alors, une concerne Madagascar, qui est en deuxième, ou je pourrais poser en premier. Est-ce que vous avez des informations sur la vie à Madagascar aujourd'hui? Et est-ce que vous avez voyagé pour faire votre roman? C'est la deuxième question. La deuxième question, en fait, c'est par rapport à Rouge, Brésil. Il y a un personnage qui m'a énormément plu, qui, à mon avis, est le personnage principal, mais qui n'apparaît pas. C'est celui qui est dans la jungle et qui crée une espèce de nouveau monde et qui n'apparaît jamais. Ah oui, Paylo, là. Ouais. Qu'on ne rencontre jamais. On en entend parler, etc. Donc, je voulais savoir... D'où est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il sort de votre imagination? Ou c'est vos recherches historiques qui vous ont mené à rencontrer
ce type de personnage. Alors, les deux, c'est-à-dire que... Alors, pour ce qui est de Madagascar, oui, bien sûr, je suis allé à Madagascar, notamment pour aller voir les endroits où avait vécu et où est mort aussi Auguste, hein, puisque il a... C'est assez étonnant, parce que nous, on l'a oublié, mais il y a beaucoup de peuples, les Slovaques, les Hongrois, les Polonais, etc., qui tous les ans envoient des missions là-bas pour essayer de retrouver la dépouille. Ils y vont avec des détecteurs de métaux, donc ils trouvent des vieilles fourchettes et tout ça, mais ils sont acharnés pour retrouver la dépouille de Benyovski. Ils font des monuments à sa mémoire. Enfin, c'est étonnant, il y a un culte de ce personnage. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand les Hongrois, je crois que c'est les Hongrois, avaient élevé un monument sur la colline où il est mort, qui est toujours couverte de forêts primaires. C'est curieux parce que tout est cultivé autour, mais là où il est mort, ça n'a pas été cultivé, jamais. Et ils ont élevé un monument et les Malgaches se sont dit, qu'est-ce qu'ils viennent faire ces gars-là? S'ils mettent un monument, c'est qu'il doit y avoir un trésor. Donc ils ont commencé à creuser. Et à l'heure actuelle, à l'endroit où est mort Benyovski, enfin en tout cas il n'est pas enterré là puisqu'on ne l'a pas trouvé encore, mais il est enterré pas loin, en tout cas à l'endroit où il a été tué, il y a un trou qui fait à peu près 35 mètres de profondeur parce qu'il cherche un trésor. Et ce qui est à la fois touchant, parce que c'est évident qu'il n'y a pas de trésor, il est rentré, il n'avait pas un sou, il a été en plus abandonné par le navire américain qui l'a déposé, enfin bref, mais il creuse. Et moi j'avais envie de leur dire, enfin c'est bien sûr, vous trouverez rien, le trésor, s'il y en a un, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est sa vie, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est ça le mais en même temps ça donne une vie, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il n'est pas mort, qu'il se passe encore des choses autour de lui. Quand je suis allé voir ça, il y avait deux types qui sont enfuis d'ailleurs à notre arrivée, qui étaient en train de creuser, en train de faire cuire un petit déjeuner entre deux pierres et tout ça, des Malgaches qui étaient là pour creuser, si vous voulez. Donc c'est vivant, il est là, il y a quelque chose qui se passe. Et j'aime bien ces personnages-là. Quand j'avais écrit la biographie de Jack Kerr, moi je suis du Berry, et dans le Berry, depuis toujours, depuis mon enfance, j'entends parler de la mort de Jack Kerr. Les Berruyers sont persuadés, les Berrichons, les Berruyers de Bourges, sont persuadés que Jacques Coeur n'est pas mort à Kyo, qu'il a rencontré une femme là-bas et qu'il a eu une autre vie. Pratiquement, si vous les poussez un peu, ils vous expliqueront qu'il n'est pas mort. Et parce qu'il y a cette espèce de mythe comme ça. Et j'aime bien quand des personnages ont une force telle que par-delà leur mort, si vous voulez, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, on continue de creuser pour les trouver, le trésor et tout ça. C'est beau. Et pour ce qui est du personnage dont vous parlez dans Rouge Brésil, ça me touche que vous l'ayez lu, je vous en remercie, parce que ce livre, en fait, il a, bon, pour moi, il a une origine qui était liée au séjour que j'avais fait là-bas, que j'ai habité au Brésil. J'allais à Rio souvent, j'habitais dans le Nord-Est, mais j'allais à Rio assez souvent pour des réunions et tout ça. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au peuplement étrangers, disons, de cette baie de Rio, je pensais que les premiers navigateurs, et notamment les Français, étaient arrivés et qu'il n'y avait rien. Je pensais que la baie était vide, quoi. Et évidemment, en creusant, je me suis rendu compte que ce n'est pas vrai du tout, qu'il y avait les Indiens, bien entendu, qui étaient là, des civilisations indiennes très complexes, qui n'étaient pas aussi, qui n'ont pas fait des monuments comme les Mayas ou les Aztèques, mais qui étaient des civilisations extrêmement... extrêmement sophistiquées et intéressantes et qui ont disparu évidemment aujourd'hui. Et puis il y avait aussi tout un tas de gens, au fond des commerçants, gens qui vivaient là et qui s'étaient fixés avant les Portugais, avant même les Français. Et de sorte que, si vous voulez, on ne pouvait pas dessiner l'histoire de la baie de Rio comme une opposition entre les Européens et les Indiens. Il y avait aussi des gens qui avaient choisi une espèce de vie intermédiaire, de vivre parmi les Indiens. Et d'ailleurs, dans l'expédition française de Villegagnon, l'expédition dont je raconte l'histoire, quand elle s'est terminée, bon, elle s'est terminée en déroute, parce qu'on s'est entretué entre catholiques, protestants, bref, donc tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré, sauf un certain nombre qui sont restés avec les Indiens, et qu'on a retrouvé d'ailleurs plus tard, beaucoup plus tard, notamment au moment de la conquête des Portugais, il y a eu... on a retrouvé des Français qui s'étaient complètement mêlés aux Indiens. Donc, je voulais qu'un personnage,
mais figure un peu cette troisième voie, si je puis dire, qui n'était ni celle des conquérants, ni celle des Indiens, mais quelqu'un qui, au fond, puisse dessiner une sorte de voie qui a existé, hein, de gens qui avaient partagé finalement les deux destins. Une question. Il est peut-être un peu tard, non ? Mais enfin, Non. J'avais lu votre livre avant de découvrir l'analyse de ce livre dans Le Point, début mai. Une analyse tout à fait élogieuse, à juste titre, de mon point de vue. Et cette analyse dans Le Point concluait en disant que vous étiez le défenseur infatigable du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et dans votre livre, au fond, il y a les deux personnages qui incarnent deux postures un peu différentes sur le plan de ce qu'on appelait la philosophie politique. L'homme dont le nom m'échappe, donc l'homme qui est plutôt sous l'égide des Lumières et avec la mission d'apporter la civilisation à des peuples qui en sont éloignés. Et puis son amante, elle est plutôt du côté de Diderot, donc peut-être davantage respectée, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et en fait, à mon avis, vous ne tranchez pas vraiment, puisque c'est par une sorte de, comment dire, j'allais dire d'astuce où la jeune femme finalement se résout à la position de son homme. Et de fait, j'ai l'impression, et c'est là où je pose ma question, qu'au fond, à travers toute la colonisation, on reste à voir ensuite au XIXe siècle les positions de Jules Ferry, voire même de Victor Hugo, j'ai l'impression qu'au fond, l'histoire de la colonisation est loin de ses rationalisations en termes de philosophie politique, mais davantage en termes darwiniens, c'est-à-dire que quand on peut conquérir, on conquiert. Voilà un peu une affirmation qui peut vous paraître un peu brutale. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la jeune femme, comme vous dites, ait suivi son homme. Je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense que c'est elle qui l'a influencé pour changer son regard sur ses peuples. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il constitue quand même une exception à la règle que vous donnez. Bien sûr que son premier mouvement, ça a été de conquérir, ça a été de se battre, ça a été de se défendre, puis de conquérir. Mais ce que je trouve intéressant chez ce personnage, c'est que justement, il est allé au-delà et qu'à un moment donné, il a mis au service d'une forme de, au fond, de partage, on pourrait dire, l'avantage qu'il avait tiré de sa position de roi, enfin, c'est parce qu'on l'a reconnu comme roi, etc. Mais il s'est pas servi de ça. C'est pas comme dans le livre de Schoendorfer, là, du roi, etc. Il s'est servi de ça pour construire une société qui était une société de partage et d'une forme d'égalité. Et j'en veux pour preuve la constitution qu'il a fait signer et qui est une constitution, encore une fois, qui était signée par les chefs malgaches et par les Européens sur le modèle de la constitution américaine. On pourrait dire que c'est une utopie, bien sûr, mais justement, ce n'est pas une histoire de colonisation pure et dure, c'est autre chose. Donc, mais en effet, moi, je pense que, si vous voulez, quand on écrit on choisit d'écrire des romans, ce qui est mon cas maintenant, j'écris plus d'essais, il faut s'interdire aussi de trancher entre ces différents débats. C'est-à-dire que je pense que le romancier n'est pas là pour... si vous voulez, à la fin, dire ben voilà la solution. Pas comme quand on était petit, dans Picsou Magazine, ou je ne sais pas quoi, voilà la solution. Bon, il n'y a pas de solution. Il y a des problèmes qu'on aborde en suivant ces personnages. Il y a des apories, des questions dans lesquelles ils se perdent, sur lesquelles ils butent. Et le lecteur fait la même chose. Donc voilà, je respecte, si vous voulez, ce rôle du lecteur et ce choix du lecteur. C'est pas pour me défausser que je dis ça, mais j'ai commencé moi par écrire des essais. Les premiers livres que j'ai écrits, quand j'étais, vous savez, pour un médecin, c'était pas évident de se mettre à écrire parce que on a toujours l'idée qu'on est pas légitime, qu'on n'a pas assez lu, etc. Et c'est vrai, j'ai pas une culture. Moi, j'ai pas lu pendant que ceux qui faisaient des études de lettres lisaient les grands classiques. Moi, j'apprenais les artères, machin chose, etc. Bon. Donc, je suis arrivé dans toute cette création avec beaucoup d'humilité. Et j'ai commencé par écrire des essais, c'est-à-dire des livres qui étaient au plus près de mon expérience sur l'humanitaire, sur les questions de développement, etc. Et finalement, je faisais des cours à ce moment-là. J'avais un séminaire à Sciences Po à ce moment-là. Et mes étudiants...
me renvoyer, vous savez, comme ils sont gentils, les étudiants, ils veulent toujours faire un plaisir aux profs, donc ils font des exposés sur vos livres. Et alors, ils vous ressortent ça complètement blanchi, nettoyé au Karcher, là et tout. Il n'y a plus que le squelette, deux parties, deux sous-parties, les idées. Voilà. Ils pensent vous faire plaisir, mais en fait, ils vous désespèrent. Parce que moi, je me suis dit à ce moment-là, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce n'est pas les idées, ce n'est pas de savoir. C'est justement, c'est pas blanc-noir, etc. C'est justement, c'est la chair, c'est les couleurs, c'est les rencontres, c'est les décors, c'est les personnages. Et ça, c'est pas avec les essais que je l'obtiendrai. Et depuis, je me suis mis effectivement à une forme d'écriture romanesque. Je ne fais plus que ça. Enfin, c'est la seule écriture à laquelle je travaille maintenant. Et celle-là, elle apporte justement cette ambivalence des personnages, cette ambiguïté, ces clairs-obscurs qui sont infiniment plus riches, mais qui se font un peu au détriment de la netteté des idées et qui laisse plus de part au lecteur, je pense. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, quand vous décriviez le Benioffsky de Madagascar et sa volonté d'aller au-delà de la mission qu'on lui avait donnée, j'ai pas lu votre livre, mais j'ai lu Rouge Brésil et j'avais l'impression de retrouver un peu le vil gagnant de Rouge Brésil. Donc, est-ce que vous pensiez aussi à ce personnage-là quand vous avez écrit ce livre? Et la deuxième question, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'optimisme tout à l'heure. Il me semble que dans Globalia, c'est un livre qui n'est pas très optimiste, puisque finalement, c'est qu'en dehors de Globalia qu'on peut arriver à faire autre chose, à vivre autrement que dans Globalia. Donc j'aimerais savoir ce que vous pourriez rajouter là-dessus. Bah écoutez, ça me touche beaucoup que vous ayez lu ces livres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, il y a une parenté entre ces deux personnages de Villegagnon et puis de Benioffsky, ça c'est tout à fait clair. En même temps, c'est un contexte historique très différent, puisque Villegagnon, c'est au XVIe siècle, c'est le milieu du XVIe siècle. Benioffsky, c'est au milieu du XVIIIe siècle. Il y a évidemment un contexte différent et une histoire différente, puisque l'histoire de Villegagnon, c'est l'histoire d'un chevalier de Malte frotté aux idées de la Renaissance et de l'humanisme, qui part au Brésil dans l'idée de créer au contraire un pays très tolérant où tout le monde pourrait penser à sa guise, etc., et croire dans la religion qu'il souhaite, et puis qui va revenir comme un fanatique très sanguinaire et qui deviendra, au moment des guerres de religion, un des plus radicaux parmi les catholiques, Liger, etc. Évidemment, Benioffsky, ça n'a rien à voir. Donc leurs histoires sont différentes, mais leur posture par rapport au pays lointain dans lequel ils arrivent, c'est-à-dire Madagascar, mais qui n'est qu'une partie de ce livre-là, et Villegagnon, est effectivement très largement, en tout cas se recoupe beaucoup. Voilà. Pour ce qui est de Globalia, ben, ceux qui n'ont pas lu, c'est un livre d'anticipation, mais à peine en fait, que j'ai écrit en 2003, quelque chose comme ça, qui est un livre très particulier dans tout ce que j'ai fait, parce qu'il a ses fans, il y a un fan club de Globalia, et puis et dans plein de pays, d'ailleurs, c'est assez curieux, alors que c'est un livre qui n'a pas eu énormément de succès, beaucoup de mes lecteurs n'aiment pas Globalia, et d'autres, au contraire, sont passionnés. Moi, je l'ai écrit un peu sur un malentendu, parce que j'ai écrit après être allé dans un salon du livre en Guadeloupe, je me rappelle, où je présentais à ce moment-là un livre historique qui s'appelait L'Abyssin, qui se passait au XVIIe siècle. Et en arrivant là-bas, j'ai découvert que le salon était consacré à l'espace et à la conquête de l'espace. Donc j'avais vraiment rien à faire là, quoi. Et en plus, il y avait un cosmonaute qui me ressemblait. Donc les rares clients que j'avais qui venaient me voir, j'étais obligé de leur dire non, mais le cosmonaute, c'est derrière. Bref, donc ça n'a pas été très productif, mais en revanche, ce qui a été fascinant, c'est que j'ai eu l'occasion à ce moment-là de connaître des écrivains de science-fiction que je n'avais jamais... Enfin, j'avais lu, disons, les grands classiques comme tout le monde, mais j'en lisais assez peu. Et en découvrant les écrivains de science-fiction, des gens comme Pierre Bordage, etc., je me suis lié d'amitié avec plusieurs d'entre eux. Je trouvais que leur travail était très intéressant. Alors eux, ils parlent très volontiers de technique et tout. C'est des gens assez curieux, d'ailleurs. Hein. C'est des gens qui se lèvent le matin, prennent leur petit déjeuner, puis ils vont s'asseoir et ils montent leur soucoupe volante, quoi, hein, jusqu'à midi. Puis à midi, ils vont déjeuner. C'est-à-dire qu'il y a voilà, une vie, c'est un imaginaire extraordinairement fécond, mais souvent des vies très... Enfin, c'est assez amusant. Et
en réfléchissant à ça, j'ai lu dans une préface de Walter Scott qu'il dit quelque part que finalement, je ne sais pas comment il le formule, mais que au fond, parler d'un monde passé ou parler d'un monde futur, c'est d'un point de vue littéraire le même exercice. C'est-à-dire que ça consiste au fond à établir avec le lecteur la convention qui va faire exister un monde qu'il ne connaît pas, voilà, dans lequel il n'a pas vécu. Bon, et donc, du coup, j'ai eu envie d'écrire un livre d'anticipation et j'ai écrit Globalia, qui est un livre très particulier, mais dans lequel, effectivement, qui décrit un monde assez pessimiste, oui, on peut dire, en tout cas, dans lequel il y a beaucoup, en tout cas, reconnaissent des traits du monde d'aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire, ça c'est en ce moment assez frappant d'ailleurs. Mais les personnages de Globalia, les héros de Globalia, sont, et notamment Baïkal, qui est le héros principal, ont quand même cette force, c'est-à-dire qu'ils ont, ils traversent ce monde qu'on peut qualifier effectivement de sombre, avec cette force. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une lettre avec la photo d'un petit garçon. Alors, on est toujours inquiet, parce que enfin, d'un enfant même. Hein, et avec une dame qui me disait, voilà, je vous présente Baïkal. Mais je n'y suis pour rien, si ce n'est qu'elle a pris le nom de mon héros. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. On va vous inviter à poursuivre la discussion, à dédicace avec Jean-Christophe Ruffin, en partenariat bien sûr avec la librairie Ombre Blanche. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin et merci à vous pour votre attention pour cette rencontre. Merci.